Donc ce matin, nous avons, avec nos collègues JIA, présenté, disons, la liste des élections chambres 2019, avec donc deux temps forts. Déjà un rappel, disons, une présentation de notre profession de foi, avec les enjeux qui nous ont permis de construire, entre guillemets, notre ligne de conduite sur ces élections. Et donc après, nous avons présenté donc l'ensemble de la liste donc du collégien, du collège exploitant, du collège 5E, collège syndical, et du collège de nos aînés. On représente toutes les agricultures, la diversité de la Loire-Atlantique. On est un des départements qui installe le plus, donc qui prouve bien comme quoi qu'on peut avoir une attirance pour cet agriculteur-là, et on essaie d'en montrer la plus belle image qu'il puisse y avoir. On est à l'écoute des agriculteurs, des agricultrices avec les différentes problématiques, que ce soit sur la problématique de la protection des exploitations lors de projets d'éoliens, de l'animation du territoire avec la problématique des sangliers, que ce soit les productions avec la participation aux différentes réunions qui sont soit communales, soit dans les Comcom. Effectivement, on est proche des agriculteurs. C'est aussi les problématiques de relations de voisinage où clairement on a maintenant des agriculteurs qui nous appellent parce qu'ils se sont fait agresser verbalement et qui nous appelle pour savoir comment faire. Oui, effectivement, on est à l'écoute des agriculteurs, des agricultrices, avec ce sentiment des fois de ras-le-bol des agriculteurs d'être et justement il ne faut pas qu'on arrive au point de rupture, donc on est très mobilisé sur tous les sujets qui nous animent dans notre département.